Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour notre soirée de strat tout ensemble de 21h à minuit. Eh bien coucou Roger Junior, salut Nilark, salut Mduel, salut Azel, salut à ceux qui sont passés, qui sont repartis. Et puis salut à ceux qui en viendront par la suite. Eh bien juste à côté du lecteur vous avez un chat à droite, n'hésitez pas si vous avez un compte à vous y connecter. Car ce soir on va se faire une partie roleplay de Roma Universalis 4. On avait entamé une partie hier. Le résultat ne m'a pas plu, j'ai continué pour voir un petit peu ce que ça donnait, et dans tous les scénarios, dans les 4 scénarios que j'ai pu tester, on se faisait avaler par les Macédoniens. Voilà, bon, c'est vrai que j'avais très mal joué, je ne comprenais pas l'équilibrage de ce mode. Avec 3 heures d'expérience, bon, je commence à comprendre qu'il est très punitif. Il est aussi punitif que la Vanilla depuis Kozax. Bon, pour le coup, c'est pas de bol. Eh bien, j'espère que ça va bien. Donc ce soir, on joue à Roma Universalis, un mode pour Europa Universalis 4, qui est sorti la première fois le 1er septembre 2015. Bon, il y a eu une version précédente avant, mais elle a été reprise le 1er septembre 2015. Je joue sur la version bêta 2, qui a un petit nom, c'est Successor, ça s'amuse à faire comme DLC, à mettre des petits noms, qui est sorti le 23 décembre 2015, qui fonctionne sur le noyau d'Europa Universalis 4 1.14. Si vous voulez vérifier si votre checksum est bon, c'est le 735D. Si jamais il ne fonctionne pas, n'oubliez pas de désactiver l'ensemble des DLC issus. Des versions non compatibles, hein. Ça peut être une solution. Et si vous n'avez pas la version 1.14 mais vous êtes sur Steam, vous pouvez l'avoir en tapant sur clic droit, propriété, bêta, vous décochez la case pas de bêta en déroulant le menu défilant pour sélectionner la version 1.14. Alors il est compatible avec tous les modes d'amélioration graphique, n'importe lesquels, hein, même si vous propose leur propre collection d'amélioration graphique, hein, avec éventuellement des sub-modes avec des drapeaux, des sub-modes avec les musiques de Roma Universalis que vous entendez là. Et il est compatible uniquement en version anglaise. Alors si vous voulez jouer la version anglaise, c'est très simple. Une fois que vous avez le launcher, en bas à gauche, vous le tapez sur le drapeau français et vous le changez en drapeau anglais. Ou alors vous allez dans les menus du jeu, tout simplement. Alors ce petit mode, il nous ramène à l'époque de Europa Universalis Rome. C'est des gens qui voulaient jouer Europa Universalis Rome avec la version d'Europa Universalis 4. Donc ils ont fait ce mode, c'est un retour à l'antiquité où on retourne en 418 AUC, donc c'est après la... je laisse la locution latine, mais c'est après la fondation de Rome, voilà. Donc à peu près en moins 336 avant notre ère. Alors, mais sur le calendrier romain, on calcule à partir de la fondation de Rome en, 753. 21 avril 553, si ma mémoire est bonne, voilà. Alors on peut jouer tout ce que l'on veut là-dedans, je vais vous montrer. Bim, single player, c'est parti. Coucou Fab. Alors, on peut jouer par exemple aussi bien les Perses, l'Empire Perse, on peut jouer quoi encore, on peut jouer les Macédoniens. Alors, avec les Macédoniens, si on joue pas les Macédoniens, c'est l'IA qui prend le contrôle. Et il y a les événements de la construction du monde hellénistique qui se produit. Donc, on a Alexandre le Grand qui succède. Donc, la date à laquelle on commence, hein, c'est la date où Alexandre remplace son père, hein, le joyeux petit borgne. Et il commence sa conquête de l'Orient. Son rêve, c'est de fusionner le monde grec avec le monde oriental. Il s'est arrêté à l'Indus, hein, comme tout le monde le sait. On peut jouer également des Germains, on peut jouer des Celtes, on peut jouer les Nords, les Nordiques qui ont été implémentés à l'avant-dernière, enfin qui ont été améliorés à l'avant-dernière mage de ce mode. On peut jouer également les différents royaumes chinois, pour ceux qui veulent jouer des Chinois, les Han, les Qin, les Tsu, les Cao, parmi les plus connus. Et puis on peut jouer à l'époque, à l'âge d'or, de la Corée, le royaume de Gojoseon, et même si je suis pas trop d'accord, des Jin. Il y avait quand même d'autres, il y avait Scylla, enfin d'autres petits royaumes par là. On peut jouer les Indiens, diverses tribus guerrières des Indiens qui étaient divisées. On peut jouer également les Berbères, etc. Niveau des religions, regardez-moi ça. Ils ont confondu religion et culture, mais on a pas mal de choses qui sont représentées. On a les Celtiques, les Ibériens, puisque il y a diverses nations ibériques qui sont représentées. Les chamaniques d'Europe du Nord, les Puniques, hein, les Carthaginois. Punique, ça vient d'un mot latin dont je vous laisse l'allocution, qui veut signifier tout simplement phénicien, parce que les Carthage n'est rien d'autre qu'une colonie issue de la ville de Tyr, ça a été fondée par des phéniciens, c'est une ville qui... c'est de culture phénicienne, hein, Punique. Et une colonie qui a eu une histoire grandiloquente, et qui a même fini par fonder ses propres colonies en Ibérie, et le long de la côte que l'on connaît, ce nom de côte maghrébine aujourd'hui, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça. En mer tyrénéenne, là, également eu une forte influence sur la Corse, la Sardaigne. Voilà. C'est souvent le cas à l'époque. Hein. Il y avait des villes-colonies qui fondaient leurs propres colonies, qui, par la distance, devenaient autonomes, et etc. C'est ainsi qu'il y avait des villes grecques en Grande Grèce, ici, des villes phéniciennes telles que Carthage, etc. Et lorsque les colonies étaient assez proches, ça arrivait à former un ensemble relativement soumis à l'influence de la colonie mère. C'est le cas, du coup, de cette espèce, bon, c'était pas un empire, mais cette espèce d'ensemble carthaginois, ici, qui était bel et bien soumis à leur ville mère.
Il faut qu'Imdol et Mina m'expliquent comment jouer à CK2, parce que j'y pige que dalle. Oh bah je pourrais t'expliquer si tu veux. J'ai fait des vidéos Nilark, tu sais, si tu veux. J'ai une centaine de vidéos sur Crusader Kings 2, dont quelques-unes sur qui ont été mises sur YouTube. Ça peut être une bonne piste. Alors, et bien du coup, dans ce joli petit mode, il nous propose de jouer l'Italie avec les Étrusques, les cités étrusques ici, rassemblés sous une seule unique ligue, même si je suis pas trop d'accord, mais s'il y a eu des ligues étrusques, hein, l'Antiquité, la Haute Antiquité, comme je vous l'ai dit, c'était des cités-états, hein, donc chacun a fondé une ville, il y avait un étrusque qui avait une ville, ses copains ont fondé des villes, ils se rassemblaient par entente politique, sous forme de ligue, mais il n'y a jamais eu d'état uni étrusque, hein, jamais de la vie. Mais bon, pourquoi pas, admettons, hein, ils ont fait un état étrusque uni, bim, par ici. On peut jouer Rome, on peut jouer les diverses nations, qu'est-ce qu'il y a encore? La Chine des royaumes combattants, c'est l'époque des royaumes combattants en Chine. Hein. L'Inde, je l'ai dit, divisée en principautés belliqueuses, les Nordiques, les Germains, les Celtes, Sibérie, voilà, vous avez vraiment le choix. Y compris l'Egypte, hein, avant la conquête par les Grecs, donc avant que ce ne soit des gens de chez Ptolémée. Alors, on a 27 religions différentes dans ce jeu, 336 genres de jeux, qui partent de moins 336 avant notre ère jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, 220 pays jouables au total, 28 niveaux de technologie, donc ça offre deux sacrées parties. On a des types de gouvernement qui sont taillés sur mesure pour chaque faction, les événements de la construction du monde hellénistique, si c'est joué par l'IA, je vous l'ai dit, les événements dédiés également pour Rome, mais pour d'autres factions également, les améliorations qui sont faites de façon régulière sur ce mode, hein, pour aider ce mode à coller à l'histoire, bien que, voilà. Une des choses qu'ils ont refusé, par exemple, on a un niveau technologique qui nous empêche d'aller coloniser très loin, par exemple l'Australie, c'est trop loin pour être colonisé, Madagascar, etc. Ils auraient pu casser cette mécanique de façon à nous permettre d'aller coloniser le monde entier, mais ils n'ont pas voulu le faire, pour une raison simple, c'est que pour eux c'est beaucoup trop uchronique. On peut comprendre, voilà, les gens qui ont repris le mode voulaient éviter au maximum l'uchronie. Ils sont en train de retravailler tout ce qui est immersion, donc avec les modes de musique, je vous l'ai dit, de cartes, de blasons, mais également les blasons qui sont piqués à Total War Rome 2, hein, totalement piqués à Total War Rome 2. Et on a des wallpapers, bon, voilà, des trucs très simples, mais par contre pour ce qui est des unités, vous le verrez quand on jouera les soldats, ce sont des sprites vanilla, donc on a des soldats du 16e siècle, ce qui fait toujours un peu moyen, mais bon, il leur faudrait un artiste, et pour l'instant ils en ont malheureusement pas. Eh bien, je vais vous citer pour terminer à la présentation de ce mode les différents créateurs. La personne qui a créé le mode Roman Universalis, c'est Grimdeath. Ça a été repris par un certain The Joker, qui s'en occupe activement actuellement. Il y a un certain Richinator, qui a permis le passage de la version 1.6. Un autre que vous connaissez, Xilozy, qui a donné les idées d'idées nationales. Xilozy, que vous connaissez pour le mode Fallout, pour Roman Universalis 4, dernier mode, vraiment une tuerie. Et il y a un certain, me semble-t-il, Corba, qui vous dira quelque chose, puisque c'est Monsieur Elder Kings sur Crusader Kings 2, voilà. Alors, on va passer à la campagne. Ce soir, campagne roleplay, on va jouer la ville de Rome. SPQR, les enfants. On va jouer la ville de Rome. Et j'ai perdu un marque-page, c'est pas grave, hein, il nourrira le sol. J'ai ouvert tout un tas de bouquins à côté de moi, c'est tellement passionnant. Ça fait deux jours que je suis plongé dans le monde romain. Je me suis endormi devant un documentaire sur Rome. C'est fascinant de se replonger dans ce monde-là. Donc on incarne Rome, nous sommes en 418, donc je vous l'ai dit, c'est en 336 avant Jésus-Christ. Donc on est une cité-état qui a réussi à soumettre sous son influence une autre cité qui s'appelle Néapolis, qui est une ville grecque. Quelle est la situation politique, les enfants? Au nord, on a les Étrusques. Les Étrusques qui après deux siècles de domination sur le nord de l'Italie, sont en plein déclin. Leurs cités sont en train de se rabougrir, de chuter, ils ont eu des extensions jusqu'à la vallée du Pô, ici, et ils sont fait bouffer par des Gaulois qui sont venus s'installer ici. Des Gaulois qui ont d'ailleurs poussé assez loin, jusqu'à Rome, puisqu'ils ont été pillés et rasé Rome, qui s'est relevé. Et Rome a eu beaucoup de chance de ne pas voir ses voisins en profiter pour venir les conquérir. Rome qui a d'autres cités indépendantes face à elle, les Samnites qui sont face à elle là-bas, des gens dans ce qu'on appelle Ancôme là-bas, mais c'était pas Ancôme à l'époque. D'autres cités dans le sud de l'Italie, voilà. Il y a un gros pôle de puissance au nord, les Étrusques, mais il y a un gros pôle de puissance au sud. Ben, la Grèce, c'est pas loin, je vous l'ai dit, la Grèce sont des cités-états autonomes, indépendantes les unes des autres, qui s'allient les unes aux autres. Hein. Vous connaissez la rivalité entre Athènes et Sparte, ils ont passé des siècles à se poutrer, à se maraver la tronche. Il y a diverses ligues qui sont faites, qui sont défaites, qui sont affrontées, désaffrontées, etc. Et on a plusieurs colonies, hein, les cités ont fondé des colonies un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et en l'occurrence, bah, juste à côté de chez eux, ils ont fondé des colonies en Sicile, dans le sud de l'Italie, dans ce qu'on appelle la Magna Graecia, donc la Grande Grèce, parce que ils considèrent cette partie-là de l'Italie comme étant chez eux. Leur chez eux bis, hein, leur maison de campagne, si vous voulez. Forza Italia, dit Vanifam, bah oui, Forza Italia, si tu veux. Donc on a la Grande Grèce ici. On a un troisième pôle de puissance, on a des cités phéniciennes, la colonie phénicienne de Carthage, qui est devenue une cité indépendante et qui a elle-même
colonisé le reste du bassin occidental, qui a colonisé diverses parties, Nova Carthago, en fondant Carthagène, donc Carthagène issue, traduction littérale, issue de Carthage, voilà, une colonie carthaginoise qui était fondée sur le tard entre les deux guerres puniques. Mais bon, pourquoi pas. Elle est déjà nommée à la région comme ça, donc on a Carthage qui a une influence sur les différentes îles, la Corse, la Sardaigne, et c'est juste en face de Rome, voilà, et puis du côté de la Sicile également. Eh bien, notre petit état de Rome, elle a quoi? On est en 336, ça fait quoi? Ça fait 2 siècles seulement que cette république existe. Alors elle est dirigée par 2 consuls, qui remplacent les rois. Hein. Rome a été fondée par... Rome, c'est une des nombreuses cités autour du bassin méditerranéen, et du côté occidental, c'est très rural, hein, les colonies qui ont été fondées. Alors vous voyez un petit peu la petite mama, là, dans sa maison en Provence, toute sombre, sa petite maison avec 2-3 meubles, c'est tout. Très austère, habillée tout en noir... Eh ben c'est ça la culture méditerranéenne. C'est extrêmement sobre, ils ont une façon de vivre extrêmement dure, extrêmement âpre. Le luxe est mal vu. Et donc c'est ils ont des codes religieux extrêmement codifiés. Une cérémonie de 3 heures, c'est un qui fait une erreur, faut tout recommencer de zéro. Quand on fonde une ville, il y a toute une cérémonie. Il y a des lois de mœurs et de morale dont on a hérité dans le droit latin, qui sont extrêmement codifiées. Hein, tant à la pudeur, c'est tout ça des héritages de Rome. Hein, le comportement est très codifié et est régi par la loi, tout simplement. Et on a notre cité-état de Rome qui a été fondée en 753 par soi-disant Romulus. Hein, je vous passe la légende de Rome. Et voilà. Alors, objectif de campagne, notre ville de Rome doit aller dominer l'Italie. Alors l'Italie, ça s'arrête au fleuve Arno ici. Hein, on a les Abruzzes ou les Apennins, oh, j'ai un trou mémoire. On a une chaîne de montagne ici. On a une petite rivière ici, l'Arno. Et puis une autre rivière par là. Bon, plus tard, on sera que ça. Et l'Italie, ça s'arrête ici. Donc on doit faire la conquête de toute la botte italienne. C'est l'objectif de cette semaine. On a 6 heures pour le faire. Eh bien, c'est parti.